Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour le jeu du cygne, et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Warhammer 40 000 ou Rogue Trader et le DLC Void Shadows. Dans l'épisode précédent, il s'était pas passé grand-chose, on avait commencé à explorer un peu les bas-fonds de notre vaisseau et beaucoup de blabla, mais pas grand-chose encore pour l'instant. On est à la recherche du temple du culte du sang. Et j'espère que ça va commencer à bouger un petit peu, parce que pour l'instant ça blablate beaucoup, mais il se passe pas grand-chose. On y retourne. Leader des parias. Donc, eux, ils viennent de pousser un mec dans le ventilateur pour pouvoir lui piquer ses possessions. Et apparemment, on commence à tomber sur des mutants. Crime de richesse. Je sens que ça va terminer en massacre de paria, ça. D'accord. On est des asticots grouillants dans les entrailles putrides de ce tas de ferraille. D'accord. Ouais, on est bien. On est bien. Ah, donc c'est un mutant et pas un malade. Ouais, mais voilà, j'ai beau être iconoclaste, je vois pas trop l'intérêt de porter des vivres et des médicaments, ils vont juste se contenter de tout revendre, donc. Ouais, comme je m'attendais un petit peu à ce qu'ils me croient pas, hein, donc. Ah oui, donc, elle est à fond. Je sens. Je le sens pas là. Je vais lui donner une pièce, mais je le sens pas. Les asperges de poison vont nous laisser crever. Je pense qu'il va pas vouloir que je m'en aille. Si, ils vont m'attaquer. Ah bah oui, voilà, je m'en doutais un petit peu. Bon, premier combat. Allez, on est parti. On va pouvoir tester la miss. Ah, j'ai encore perdu son nom. Kabela. J'arrive pas à retenir son nom. On va vous être prêts. D'accord. Bon, et ben on va taper du paria. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme. C'est quoi le debuff qu'ils ont? Œil de l'oubli. Ah oui, c'est. Ma navigatrice qui fait ça. Du coup, j'ai quoi comme ennemi? 13 ennemis, ah oui! J'ai un pack de 3 ici, 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 et un ici. Bah écoute, si tu peux aller loin, je pense avec tout le mouvement que t'as, toi tu dois pouvoir aller là-bas. Donc, Kibela, je vais la mettre. La Kibela, putain, j'arrive pas à revenir sur le plan. Moi je suis normalement toujours en snipe, donc je vais essayer de mettre un endroit où je puisse me protéger un peu et voir le plus de monde possible. Cassia, de toute façon, normalement elle craint pas grand chose, elle. Henrix. Pour l'instant, on va le mettre là. Argenta, on va le mettre là. Elle devrait pouvoir au moins gérer ce groupe-là, voire sans doute un peu plus. Idira, on va la mettre là-haut avec la miss. Et ouais, Cassia, on va la mettre ici. Normalement, elle craint pas grand-chose. Hop, démarrer le combat. Ah, il y en a un qui est mort. Il s'est fait exploser une mine de poison dessus. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Alors.
I bring mercy and retribution. Pardon, je suis en déplacement accéléré. Mort venue du ciel, j'inflige combien là? 17 points de dégâts. Ils ont 28 points de dégâts. 28 points de vie. Hop. Ah. Bon, on va dire que ça c'est fait. Je m'attendais pas à autant d'efficacité, je dois avouer. Le problème c'est que bon, du coup elle peut plus rien. Ah si, talent acrobatique. Énorme. Hop là, retour à la case départ. Ah c'est bon. T'as, honnêtement, c'est sacrément puissant comme capacité. Tu peux aller à l'autre bout de la carte, tu tapes et tu reviens à ta position de départ. Pas de soucis, tout va bien. Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'elle elle a fait combien en dégâts là. Alors, hop. Coup critique. 61 points de dégâts perforants. Ah, et en plus de ça, ils ont pris les dégâts de saignement immédiats. D'accord, donc. Oh, putain, quantité de dégâts. Ok, bon. Bah, elle, de toute façon, son tour est fini. Non, pas taper sur mon personnage, ça fait mal. On va passer. Non, c'est comment le accouvert. Non. Ah. Non, pas coup de pied. Tir contrôlé. Voilà. Donc on va faire un tir contrôlé en tir rapide. On va se mettre ici pour pouvoir avoir le plus de monde possible. Et on arrose. Voilà. C'est ça que j'aime bien avec Argenta. Tout dans la subtilité. Du coup, acte héroïque. Ah non, je vais faire ça du coup. Incendie, qui me permet de refaire autre chose et que ça compte comme stack de versatilité. On va nettoyer ce pack là. Ah non, tiens, raté. Du coup, tir à la volée. Hop. Massacre jubilatoire. On va partir là-dessus pour faire des attaques mono. Il en reste déjà plus que 3. Plus que 2. Et voilà. Bon. Le problème c'est que je sais pas quel chapitre c'est censé se déclencher normalement. Mais là j'ai deux personnages qui ont joué pour nettoyer 13 ennemis. Bon, écoute, on prend. Hein. Mais typiquement, ouais, 28 de santé, c'est par rapport à ce que j'affronte, à ce que j'ai affronté dernièrement sur la fin, dans le courant du chapitre 4, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je sais, mais c'est bizarre que ça soit pas plus capable de scale les niveaux qui mettent quand même des ennemis à 28 de santé. Bon, c'est pas du tout premier niveau, mais C'est des points de vie d'acte 2, ça, c'est pas des points de vie d'acte 4, quoi. C'est, je trouve ça un peu dommage qu'ils soient pas capables de faire fluctuer les points de vie, enfin les niveaux des ennemis, à voir pour la suite, mais là pour l'instant, oui, on est sur des niveaux, sur des ennemis qui ont un niveau. Alors je me demande ce que c'est ce casque d'Astartes sur le côté. Mais oui, on est sur des ennemis, pour moi, qui ont un niveau. Ah alors. Assassin du culte de la mort. D'accord. Donc ça ne fonctionne que pour Kalida. Chaque ennemi tué explose et recouvre les cages proches de sang. D'accord. Et stupéfiant écarlate. Ok. Et alors du coup, elle a quoi comme gants? Elle a des gants de plus 30 en force. Ouais, je suis pas certain que ça vaille le coup juste pour faire exploser les ennemis et mettre du sang partout. Vu que je suis pas parti là-dessus. Parce qu'il y a moyen de... De jouer en...
avec sa compétence de Kalida qui est celle-ci là, la puits de sang, qui permet bah, notamment de mettre du sang partout. Ah, ça c'est un personnage nommé, donc à qui il va falloir parler, j'imagine. L'épreuve c'est fait, normalement j'ai ramassé tout le monde. Il n'y avait pas encore des trucs à looter de l'autre côté. Ah, si, réparer le panneau de contrôle, il y a un butin ici, c'est ce qui me semblait. Hop. Ça va monter où ça? J'y étais là? Ah oui, c'est là qu'il y a le flûtiste, d'accord. Bah, je vais le faire pour l'activer. Est-ce qu'il y a moyen de l'appeler de ce côté-là ou pas? J'espère. Hop, on redescend. Bon, d'accord, c'était un raccourci. Il te soit tapé tout le niveau en sens inverse si tu veux ressortir. Donc, parce que là j'ai une demoiselle nommée avec un symbole du sang derrière elle. Donc j'imagine qu'elle doit avoir quelque chose à me dire. Oh putain. Et je suis en train de me choper, mais toutes les saloperies qui traînent moi. Éruption suspecte. Une étrange éruption cutanée est apparue sur votre peau après votre aventure dans le tunnel de transport du vaisseau. Probablement un trophée de plus rapporté de ces galeries pour le moins déplaisante. Et c'est mon personnage principal qui prend tout, hein, c'est bien. Alors, Zdena la paria. Encore une? Donc en fait, le chemin écarlate, c'est de s'assurer que tous ceux qui doivent mourir meurent. Oui. Le chant. Ah, quatrième partie du chant. Après une éternité dans les ténèbres, elle a été consolée. La toile l'avait prédit. Guidée par la lumière des secrets sanglants de l'immortel, ses fidèles au bercail sont rentrés. Mais les fils doivent prendre fin. Aussi l'araignée a-t-elle donné ce qui devait être donné. Sa vie et sa mort au vaisseau accordé. Mmh. Regardez dans les ténèbres, regardez, regardez. Vous ne voyez aucune lumière dans cet endroit, seulement les ténèbres et le désespoir. Oui, oui, on a compris. D'accord. Elle va sauter, j'imagine. Non? Ah, je suis presque déçu. Ah si, j'ai raison. Elle va sauter. Il faut que je saute derrière elle. Donc il faut bien que je saute. Je voyais venir gros comme une maison, ça. Bon, de toute façon, j'imagine que si c'est prévu, c'est parce qu'on ne doit pas mourir. Ce serait bien. Alors... Ah, je ne suis ni hérétique ni dogmatique, donc je ne sais pas ce que ça propose. Mais si, on va sauter! Parce qu'il faut aller voir au fond qu'est-ce qu'il y a! Allez! Oh, c'est facile de choper un trou. De toute façon, ça saute normalement à la vitesse à laquelle ça tourne. Tu crains pas grand-chose. Je crois qu'Henrix il est pas d'accord. Il est pas joueur comme garçon. Ah, je suis tout seul. Les autres m'ont pas suivi. Bien. Bonjour cultiste de la mort. I always get the job done. Chercher du butin, toujours chercher du butin.
Oh, sympa la statue. C'est un tas de cadavres dans les mains qui fait une fontaine de sang. Alors, je pense que le tas de cadavres est pas assez gros pour que ça pisse le sang comme ça, mais. Oui, je sais, je suis rabat-joie. La statue est belle. J'imagine que c'est une représentation de l'empereur. Descendons. Hop, je suis descendu. Ah, par contre, j'ai un peu peur que la gestion des niveaux et des obstacles soit encore pire qu'avant. Parce que le problème, c'est que ça j'ai l'impression que ça joue encore plus sur justement sur les différences de niveau. Et c'est assez cauchemardesque de devoir tourner la caméra dans tous les sens pour arriver à retrouver ton personnage parce qu'il est planqué derrière 5 couches de décor. Alors, je suis descendu. Oui, jusque-là, d'accord. Ah, oui, on a découvert. Putain! Putain caché! Toujours bien le putain caché. Mais il y avait un truc au-dessus, j'ai pas vu. J'ai pas looté du coup. Tant pis. D'accord. Donc là, c'est là qu'il s'entraîne. Troisième tisseur, quatrième tisseur. Ah, le vizir. Bonjour, monsieur le vizir. Just as I planned. Is there money to be made? Y a pas plus simple pour y accéder. Il doit bien y avoir une porte quand même. Athlétisme 100%. Success is the only outcome I accept. Hop. Un butin. Alors. J'en ai déjà eu une lame de tisseur. Pacte de sang. Capacité rage écarlate. C'est quoi ça? L'utilisateur peut subir une quantité de dégâts. 25% de ses blessures maximum pour récupérer 1 PA. Ouais, d'accord. Donc tu t'infliges des dégâts pour récupérer 1 PA. Bon, les dégâts sont quand même vraiment ledge. C'est ça le. Le problème, c'est que j'aurais peut-être pas dû attaquer ça avec une sauvegarde de fin de game en fait. J'ai un peu l'impression que je vais rouler sur le DLC là. Si ça continue comme ça. Ah, ils sont tous descendus. Je sais pas comment ils ont fait, mais. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver là avant moi. Ça sent la triche. Du coup, je me suis fait chier à passer par les pales d'un ventilo. Une attaque de mêlée récupère une blessure. Ah, c'est pas mal ça. Pour soigner. Enfin, bon, honnêtement, de toute façon, je suis pas certain d'en avoir besoin vu les dégâts que j'inflige. Allez, parlons à monsieur le vizir. Toute première tisseuse. Car le. Domine et source de vie. Oui, tiens-moi, je suis source de vie. C'est souvent comme ça qu'on m'appelle dans les milieux autorisés. D'accord, qui parle tout seul. Et elle, à chaque fois qu'elle parle, de toute façon, on comprend rien. D'accord. Il vient de me balancer du sang au visage là quand même. C'est pas très propre tout ça. Hein. Ceci n'est pas très hygiénique. Dans la chair et le sang des défunts. Ah oui d'accord, donc c'est. Comment est-ce qu'il s'appelait les. Ah j'ai perdu le nom. Les divinateurs à l'époque d'Antiquité qui faisaient la divination dans les entrailles des animaux. Ah lui c'est carrément dans la chair et le sang des êtres vivants, des plus vivants du coup, mais dans la chair et le sang des morts. Ok, bon, on passe une étape au-dessus. Pourquoi que tu m'as invité? Ah oui voilà c'est ça. Et c'est la question. Pourquoi est-ce que eux ils ont pris l'ascenseur alors que moi il a fallu que je me tape plus grand saut. C'est pas juste. Hein.
Ouais, d'accord. Atelier, d'accord. Ça va faire quand même un sacré paquet de générations qui sont établies ici quand même. Je te raconte pas le nombre de moustiques qui doivent traîner dans le coin avec tout sang. T'as déjà qu'en ce moment on est en train de se faire bouffer. Alors pourquoi tu m'as invité? La mort a murmuré mon nom. Oui, ok. Nous félicitons qu'il soit arrivé jusqu'ici. Oui, j'aurais bien aimé ne pas tomber. C'était passer par les pales d'un ventilateur géant. C'était pas spécialement comme ça que j'avais pas vu de, prévu de passer ma journée, mais c'était un sport extrême comme un autre. Hein. Sa servante. Hein? Je croyais que c'était un monsieur. C'est un vieux monsieur avec une barbe. Je pense que ça, c'est encore un problème de traduction. C'est normalement sa servante. Non, c'est son serviteur. Logiquement, dans ces cas-là, c'est censé indiquer la personne qui sert, pas la personne qui est servie. Enfin bon, c'est pas très très grave. Hop, j'ai marché sur les traces de l'araignée matriarcale. C'est dur à dire, l'araignée matriarcale. Matriarche, peut-être. Oui, l'araignée matriarcale. Oui, non, ça va alors. Le champ de la piste de sang. Hop. La quête de la mort. Je fasse de la compassion. Ah! Du coup, ça a marché parce que j'ai sauvé le celui qui était grièvement brûlé. Si bref, votre élan de bonté fut-il. Non, mais ça va, oh! J'ai appelé des médecins pour qu'ils soient soignés et je lui ai offert une reconversion. On a fait pire, hein? Alors qu'en plus, qui. Putain, j'ai encore perdu son nom. Qui les bat ou qui. Voilà, machin. Elle voulait le tuer, elle. Donc. Celle de la justice. Oui, c'est celui qui a sauté du train, j'imagine. Parce que j'ai refusé de lui donner la mort. Et qui se l'est donné tout seul. Et la quatrième épreuve. Celle du devoir. D'accord. Donc, c'est quoi? Je suis un servant de la mort, moi aussi, maintenant? Oui, si je m'étais mangé une pale du ventilateur géant, ça aurait compliqué les choses quand même. Hein, pour notre rencontre, elle aurait pas été ajournée. Elle aurait été ajournée longtemps. Ah, il a les paupières cousues en plus. D'accord. Donc il a sacrifié ses... Ok, on est bien, on est bien. Il parle à ses prédécesseurs. Ouais. Non, mais bonne ambiance, hein, y a pas de soucis. Du sang partout, un mec avec les yeux cousus qui parle avec des morts. Tout va bien, on est là, on n'est pas du tout... On frôle pas du tout l'hérésie. Tout ça, ça a été approuvé par l'Adeptus Ministerum. Hein. Bon, a priori, pas de soucis. Comme ça fait quand même un peu flipper, vampire, tout ça, mais ouais, en même temps tu m'iras, c'est vrai que les Blood Angel, dans le genre vampire, on est pas mal aussi. Et oui, je suis prêt, oui, vu tout le temps qu'on me la blade depuis tout à l'heure. Alors... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Ils m'ont injecté un truc qu'il fallait pas? D'accord. En plus, ils m'ont drogué à mon insu. Ah, ça doit être l'encens, j'imagine. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs qui... Oui, on a un bad trip, quoi.
D'accord. Notre fil vous résulte, vous révulse. Oulala. D'accord, donc ça veut dire que non. Tenue rituelle de tisseur, armure légère, bonus de force en blessure. C'est pas mal ça. Je pense que ça va être à... Ça va aller à la mise, ça, parce qu'elle va pas être souvent à couvert. Donc 10% d'esquive si elle n'est pas à couvert, ouais, c'est toujours bon à prendre. Et ça lui filera juste encore un petit peu plus de points de vie en plus. Elle va peut-être même atteindre les 300 avec tout ça. Hop! Reposez-vous un moment. Oui, d'accord. Merci. Et maintenant, on fait quoi? C'est quoi la suite, chef? I always have a backup plan. Faut que j'aille où, chef, maintenant? Je suis perdu. Ah, donc il faut que je sorte maintenant. Vers un autre compartiment. Laissez-moi vous montrer la voie. Oui. Et bien on retourne. Alors du coup. Sanctu. Oui. Non, je vais retourner à la ligne de fret parce qu'apparemment il faut que je parle au monsieur. Il voulait reparler au prévôt, je sais pas pourquoi. Alors, pas tu lui dire où est le culte, je n'ai pas très envie. Il a l'air un peu fanatique le prévôt. Je suis vraiment pas super fan des fanatiques. J'ai recommencé une partie en dogmatique. Et tu brûlais, tu tuais tout et n'importe qui à la moindre occasion, à la moindre trace de d'hérésie ou de déviation, un tout petit peu. Un tout petit peu marqué, donc c'est sympa, mais t'as plus grand monde après derrière pour te servir. Edoc, c'est pas facile comme nom. Ah, le fameux Némésite, d'accord. Ils avaient la langue arrachée, d'accord, ok. Ok. Qui a osé faire une chose pareille? Oui, des mutants quoi, des parias. Oui, c'était pas spécialement prévu, mais bah, apparemment c'était par là qu'il fallait que j'aille. Hein, donc oui, je suis tombé dans la fosse aux pestilences, je suis désolé. Ouais, c'est bon, j'irai plus. Désolé de vous avoir dérangé, hein, j'ai essayé, j'ai été voir, c'est bon, c'est moche et ça pue. Je retourne dans mes beaux quartiers. Allez, du coup je. Je sais plus où est-ce qu'il veut m'emmener. Freightline, j'y suis. Sanctuaire du vaisseau, c'est quoi? Deux compartiments auxquels j'ai. Sur lesquels j'ai pas encore mis les pieds. Alors. Ah oui, c'est plus la même ambiance. On voit que ouais, on voit qu'on n'est plus dans les bas-fonds du vaisseau là.
initié Clotus. Un clair assistant. Ouh. Moi je veux me repentir, j'ai fait plein de bêtises dernièrement. Allez, vas-y, bah oui, évidemment. Et oui, évidemment, s'il y a ton nom sur la confession, sachant que le problème c'est que là, la confession, c'est pas juste de pater et trois je vous salue Marie. Hein, si vraiment t'as fait un truc qui craint, c'est l'Inquisition qui vient te chercher. Donc ouais, je peux comprendre que les gens, ils étaient pieux, diligents et sans moindre défaut. Ok. Hérétique, partisan, ah non, ça j'y suis pas encore. Semblait rencontrer des difficultés. Ah, des officiers supérieurs qui ont des confessions un peu troublantes. D'accord. Carrément séditieuse ou hérétique. Ordre dispose certaines autorités. Allez. D'autres doivent continuer à vivre en paix. Oh. C'est pas spécialement séditieux. Ça fait plutôt penser à un mec qui est un peu dégoûté d'être laissé derrière quand d'autres sont morts. Vol de ressources sur le vaisseau. Ouais. Oui, c'est pas très très grave non plus, en tant qu'iconoclaste, c'est ce que j'aurais fait de toute façon. Ah! Les clépas aux oreilles tombantes. Bien sûr. C'était quoi? C'était une femme la dernière? Donc les deux premiers c'est un homme. Le troisième c'est une femme qui parle des clépas aux oreilles tombantes. Hop! Ceci étant, ça me dit pas qu'est-ce que je suis censé faire là. Si, je crois qu'il faut que j'aille voir les quartiers de l'équipe. Oui, non, c'est pas ça que je cherche. Non. C'est... Ah. Ah, c'est ça que je cherche. Là, c'est ordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille faire un tour là-bas? Ah, parce que j'ai décidé d'observer la vie de des gens qui triment sous mes ordres. D'accord. Bon, ben, on ira faire ça après. Et un autre initié. Qu'est-ce qu'il a fait? Une relique des plus mystérieuses mais indéniablement sacrée. On sait pas ce que c'est, mais à mon avis c'est sacré. Ok, bah on va essayer d'ouvrir l'orbe, hein, parce que je suis super sage. En 4 parties,
Chacune une question différente. Donc, faut répondre aux quatre questions pour pouvoir ouvrir l'orbe, j'imagine. Je dirais l'Aquila. Les cupides me croient d'or, ce qui parle de l'Aquila d'or. Ou le trône, peut-être. D'accord, donc je ne sais pas si c'est les bonnes réponses. Eh bien, on va essayer. Deuxième question. En chaque humain, et on craint de me perdre. Car sans moi vient la fin. Mais qui me donne l'emploi sera éternel. Là, je dirais la vie. La vie ou l'âme. Mais sans moi vient la fin, ça pourrait peut-être plutôt être la vie. Ok. Troisième question. Poison, la perdition, le déshonneur, brûlez-moi, éradiquez-moi sous peine de périr. Bah, c'est l'hérésie. L'hérésie ou la tradition? Ou la trahison? Ah. C'est le poison, la perdition, ça fait très hérésie, le déshonneur, ça fait plus trahison. On va faire hérésie quand même. Allez, dernier. Vous devez me posséder dans votre corps, votre esprit et votre âme. Je ne suis pas seulement l'absence de souillure, je vous rapproche également de lui. Bah, la pureté. Ah, bon, c'était pas ça. J'ai dû me tromper quelque part. Bon, on va partir sur l'empereur. Là, on va tester l'âme pour voir. Mais si j'en avais peut-être qu'un seul de faux et je suis en train de tout changer. Hop. Je pense que là, c'est la pureté. Bon, du coup, c'était pas ça. Et donc, le trône. Je pense que c'est la vie. Je vais essayer la trahison pour le dernier, pour celui-là. La pureté. Non. Et là qui là. La foi pour voir. Là, je maintiens que mon avis, je pense que c'est l'hérésie. Toujours pas. C'est frustrant. De toute façon, il y a combien? Parce que ça fait quand même beaucoup de. Il y a quoi? Il y a 4 x 4. Ça fait quand même un sacré paquet de combinaisons à tout tester. Il faudrait que je teste le premier avec les 4. Tous les premiers à chaque fois, puis tous les deuxièmes, puis tous les troisièmes. Non, ça ce sera pas le 100. Ouais, on n'a pas testé le 100. Ça irait bien avec. Loyauté, toujours pas. Allez, on va tous les faire dans l'ordre. Bon, je pense que ça, je testerai ça. Je testerai ça sur hors ligne pour pas vous infliger ça. Je suis pas certain que ça soit d'un intérêt folichon. Je sais même pas qu'est-ce que c'est censé apporter. Hop. Donc, on va parler à Pépère Aldebert, Adalbert, pardon. On va offrir une prière d'abord. Ouais, jusque-là, on est d'accord. On est dans un vaisseau quand même. Il y a de faire tenir ces trucs dans un vaisseau. C'est là qu'on se rend un peu compte de la dimension pharaonique des bâtiments. C'est totalement délirant. Ah oui, je veux bien que tu me vires l'étrange éruption cutanée. Oui, vas-y.
Si une prière ça peut suffire à me virer ça, je veux bien. D'accord, donc je suis pas beaucoup plus avancé. Eh bien, on va continuer. Ah ! Et voilà. Donc la prière est la réponse à tout. Ah, j'ai plus non plus mon tourment de moins 10 en perception. Bon, c'est cool ça. Qu'est-ce que t'as d'autre ? C'était donc pas vous. Ah ah. Oui, je suis en train d'essayer de savoir qui s'est confessé. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fera, parce que honnêtement, j'ai rien trouvé qui craignait vraiment dans les confessions, mais. En même temps, apparemment, il a l'air bien en chair, ceci étant. Oui, c'est un prêtre ou un cardinal, quoi. Que superficiel. Au-delà des apparences, ma foi et mon esprit sont faits d'adamantine pure. Carrément. Bon, donc apparemment, c'est pas lui. C'est pas ici que je dois aller. Donc je pense qu'il faut que je retourne dans la ligne de fret. Parce que j'ai pas d'autres missions. On fera l'astropathe après. Donc il faut que je reste sur la ligne de fret du coup. Mais ça me dit pas où est-ce que je suis censé aller. On va regarder la carte de la zone. Est-ce qu'ils me disent quelque chose? Allez! Ouais, on sent que les enregistrements, ça tire un peu. Oui, je suis de nouveau là. Alors, sur la carte, qu'est-ce que j'ai ? Oui, merci. Ça m'avance pas beaucoup, ça. Faut que je trouve les quartiers résidentiels. Non, ça, c'est les quartiers des prévôts. Is there money to be made? Non, ça j'ai déjà. Je l'ai ouverte celle-là. Oui, si je crois qu'il y avait un. Oui, c'est ça, il y avait un coffre dedans. Là, c'est là qu'il y avait l'homme brûlé. Qui manifestement n'est plus là. Activer l'ascenseur, oui, merci, mais ça m'aide pas beaucoup tout ça. Alors, ah, où c'est que je dois aller ? Je suis perdu. Il passe forcément ultra clair. Quartier rudimentaire des habitants de la baie, près de la gare de fret. Donc il faut que je trouve les quartiers d'habitation. Did I mention that my wisdom is that one said aloud, make your eyes bleed and blood curdle. Talk about black comedy. C'est un libre marchand. Non, non. C'est pas un libre marchand, c'est le libre marchand, s'il te plaît. Ah, mais si, il y a là. Non, mais non. Là, c'était là où il y avait les voleurs. Donc, c'est pas ça. C'est où les quartiers d'habitation? Les mendiants. Ah. Et tiens, on continue à piquer les rations des mendiants. Ça fait toujours bon genre. Mais ça me dit pas
sont censés être les quartiers d'habitation. Et là, ça ressemble au quartier de nourriture, enfin, truc de distribution de la nourriture, mais. Et là, j'ai fait le tour complet. Il m'a proposé de sauter pour atterrir de l'autre côté, mais non, c'est pas ce que je veux. Et là, c'est la distribution de nourriture, et après, je retombe dans le coin des parias, donc je suis pas plus avancé. Ah ah! Voilà qui est étrange. Bah écoute, au pire, on va refaire un saut. Peut-être que. D'ailleurs, je sais même pas comment est-ce que je fais pour y retourner au temple si j'ai besoin. Non, je suis dans la fosse des pestilences là, donc. C'est pas le quartier d'habitation, ça. Enfin, j'espère pas pour eux, parce que. Ah ah! Mais je sais pas du tout. Il met que c'est dans la ligne de frais, mais la ligne de frais, j'ai déjà fait tout le tour. Et j'ai rien trouvé qui ressemble au quartier d'habitation. Bon, et ben, on va refaire un petit trajet en vaisseau, voir si ça lance un autre event. Si ça fait un peu avancer l'histoire. C'est un peu nébuleux tout ça. Allez, on retourne sur le pont. Je crois. Je vais regarder s'il m'a fait apparaître d'autres. Des nouveaux mondes. Que je pourrais aller explorer. Et dernier pourcent, il a du mal. Hein. Alors, Heinrich. Y a des nouveaux mondes. Oui, elles en sont où d'ailleurs mes colonies? Hop. C'est tout fini. J'ai pas l'impression qu'il. Oui, toujours vers l'Imperium, mais on peut toujours pas y aller. Tiens, Grandork, j'ai jamais fait gaffe. Donc a priori ils n'ont rien à ajouter d'autre. On va refaire un voyage dans le warp. Ça a pas l'air de faire pop d'event. Ah si, c'est bien ça. Un rutiel propre à sceller notre lien. Bien. Allons faire un rituel. C'est là qu'il faut que j'aille sur la passerelle des officiers du coup. Hop. Donc ça doit être uniquement pour des events, j'imagine que ça doit servir. Donc, il va falloir qu'on lit notre sang ou un truc dans le genre. Tout ceci n'est pas très hygiénique, mademoiselle. Alors, hop. Non, je ne veux pas aller vers les quartiers. C'est dommage que je puisse pas rejoindre les autres compartiments depuis l'ascenseur. Donc on a dit, hop, quartier des officiers, pont des officiers.
Putain, on fait de la bougie. Putain, j'avais pas vu. Ah non, c'est des... C'est des gens en prière. À m'aventurer dans le labyrinthe. Instructions, directions, a depiction of the puzzle that can only be solved within one's own consciousness by following its bends and turnings. I do not require these lines to find my way, but for you, this is the ritual of binding. By the undying one's will, our fates and ours one. Dans le dédale de mon esprit. Ouh. D'accord, et bien allons-y. Aventurons-nous dans les corridors de ton esprit. D'accord. Ok, donc faut pas que je croise les lignes sur le sol. Bah là typiquement il vient de croiser des lignes sur le sol. Il n'arrête pas de croiser des lignes sur le sol. You are now upon the path. Your shadow now walks the labyrinth, and my gaze can now see when danger draws near you. We are not doing this for your amusement, Domin, nor is it an expression. Pardon. That which you do not comprehend. C'est bon, m'engueule pas. Understand me? Why, Domin? My fate is preordained, and our. Oui, c'est comme ça qu'on flirte. Si on apprenait à se connaître. Mais si je crois que j'ai déjà une amoureuse sur cette partie. Is one of many twists and pitfalls. Every mind is fraught with weakness, and only by honing it tirelessly can one achieve focus and prime one's perception. C'est super rassurant. I envision the tenets of the web as a maze of tangles and dead ends. Okay. You may deem it strange. You live in a world so far removed from my own. Oui, ça, j'imagine que. Must seem absurd to you. I'm sure I would find your rituals. Qu'est-ce qu'ils ont mes rituels? Empowered by the will of the undying one himself. And yet, when I look at your life, I am surprised. Mais en même temps, le lustre, je trouve aussi que c'est un peu ostentatoire tout ça, mais bon, attends, ouais. Je récupère le vaisseau comme on me l'a donné. Your world is alien to me, Domin. And yet, having some knowledge, rituel qui jalonne ma vie. Alors le soir avant de me coucher, je me brosse les dents. Je sais pas si ça fait partie des rituels qui jalonnent ta vie à toi. The labyrinth has accepted you. We have danced amid the crossing lines. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi maintenant, chef? Bon, si tant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, YouTube. La suite au prochain épisode, si d'ici là j'arrive à trouver qu'est-ce que je dois faire et où je dois aller. Allez, bisous YouTube, à bientôt.